Abonne-toi et active la cloche. Pour regarder mes vidéos cuisine, il nous faut la ciboulette. Logique, hein? Alors, voilà une recette que je vais faire, tout simplement. Alors, il me faut pour ceci. Il faut bien laver les fruits et les légumes, enfin surtout les fruits. Il me faut un pamplemousse, une mangue, un avocat, des crevettes. Alors là, par contre, je les ai payées cher, 4,44, c'est des super crevettes. Il me faut des épices, il me faut de la persillade, il me faut du sel à l'ail, il me faut de l'oignon. Je suis désolée, hein, c'est catastrophique, c'est des pétards. Et la persillade et la ciboulette. Voilà. Donc, pour démarrer, alors, je vais prendre déjà la moitié d'un avocat, hein, comme ceci. Je le coupe comme ceci. Voilà. Hop. Je vais prendre que ça, je pense. Voilà. Ensuite, il me faut une bonne part de mangue que je vais couper. Elle est magnifique, hein, vous avez vu, hein. Moi, j'adore la mangue. Comme ceci. Et je vais éplucher. Alors, hop, j'épluche. Je sais pas si vous voyez. C'est pas évident, je vous assure. Voilà. Ouais, si je peux équiper pour. C'est pas comment faire. Voilà, là vous voyez éplucher. Hop. Et après, je vais couper en tout petits morceaux, mais tout fins. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Et voilà. Voilà la mangue que je vais couper. L'avocat que je vais enlever, je vais enlever la peau. Voilà, maintenant j'ai lavé le pamplemousse. Je vais le trancher, le couper en deux. Parce que je vais m'en servir. Voilà. Waouh, il est trop beau. Alors, comme vous pouvez le constater, je l'ai vidé. Voilà, il est là. Comme ceci. Et moi, je veux ce qu'on appelle les suprêmes. Je crois que ça s'appelle les suprêmes. En fait, moi, je ne veux pas la petite peau qui est comme ça, là. Vous voyez? Je ne veux pas la petite peau qui est amère. Je ne sais pas si vous voyez. Je veux juste celui-ci, ce morceau-là. Voilà. Alors, les cuisiniers feraient d'une façon. On y va. Ok, je prends que les suprêmes. Je coupe là. Je coupe entre les deux pots, ici, et je prends le suprême. Voilà. D'accord? Vous voyez, il y a une petite peau là. Il y a une petite peau là, ici. Eh bien, je coupe. Là, je coupe entre l'autre pot. Et je prends le suprême. Voilà. Torchon. On nettoie son plan de travail. C'est quand même mieux, hein? Hop, 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 hop. Voilà. Alors, ensuite, je vais couper la mangue. Alors, une, ouais, ça vous voyez. Comme ça. Et comme ça. Alors, ça, faut aimer la mangue, hein. Je ne sais pas comment faire pour pas que. Ouais, comme ça. J'adore. Je vous assure, j'adore la mangue. Oh là là, ça pète, ça pète, ça pète. Voilà. J'en aurais trop, mais c'est pas grave. Petit morceau, avocat, voilà, ok, après c'est tout simple.
Là, je vais prendre deux crevettes. Ou trois. Voilà, trois. Je vais prendre trois crevettes que je vais éplucher. D'accord? Et je les coupe. Je vous dis, c'est pas évident pour que vous puissiez voir avec ma main devant. Voilà, je vais les couper. On se retrouve tout à l'heure. Bon, alors, je vais vous montrer quelque chose. Il faut savoir que quand vous prenez une crevette, vous savez bien comment on l'épluche, mais il faut savoir qu'il y a une amertume dedans. Alors, je vais vous montrer ce que c'est l'amertume. Malheureusement, j'ai oublié de l'enlever sur les autres. C'est un petit fiel hein, qui est archi amer. Sur des grosses crevettes comme ça, vous faites comme ceci. Regardez. Vous entaillez. Et là, c'est là qu'il n'y a pas. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle un petit filament noir. Oui, voilà. Vous allez avoir un petit filament noir. Dans ces cas-là, ben, il faut l'enlever. Et moi, j'ai oublié de l'enlever pour les autres. Voilà. Voilà, il était pas... Voilà, il est là. Regardez, vous le voyez? Il est là. Eh bien, il faut l'enlever. Voilà, il faut l'enlever. Sinon, c'est amer. Et moi, j'ai oublié de l'enlever. Mais bon, c'est surtout sur... toutes les crevettes, on doit le faire normalement. Voilà, et là, je coupe. Hop. Hop. Et voir que là, j'ai oublié de le faire. Et voilà, regardez. Vous avez un petit point noir. Et j'ai oublié de l'enlever. Voilà, et là, on le voit bien. Voilà, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Donc, là, on va poser ceci à côté. Puisque maintenant, il nous faut un saladier. Alors, il nous faut... Moi, je prends de l'huile. Je ne me prends pas la tête. Hein. Moi, je prends de la vinaigrette. Il nous faut de la mayonnaise. Voilà, de la mayonnaise, comme ceci, et on touille, parce qu'il faut que ce soit un petit peu épais par rapport au fait de ce qu'on va mettre dedans. Après, on met tout dedans. Voilà, on va mettre un petit peu de sel d'ail, ceux qui aiment du piment, ils peuvent mettre du piment. On va mettre de la persillade, et on va mettre... un peu d'oignon. Voilà. Ok. Donc, on n'a pas besoin de plus parce qu'il y a la mangue. Maintenant, on rajoute alors les crevettes, le pamplemousse. En plus, il y a le jus du pamplemousse. C'est top. La mangue, mais je ne vais pas en mettre trop. Et l'avocat. On peut tout mettre. Voilà. Et maintenant, on touille. Voilà. Ok. On prend ceci. Voilà. Ici. Et on met dedans. Alors, j'ai des gros morceaux de mangue. Il faut que je mette un petit peu de tout. Il faut que je mette des crevettes. Hein. Et pour décorer. Voilà. Et pour décorer, on reprend une crevette qu'on va mettre comme ceci. C'est bête que j'ai pas une feuille de persil. Et comme ceci. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà mon entrée qui est faite pour ce soir. Voilà, eh bien, j'espère que ça vous aura plu. Alors, il faut de la mangue, des crevettes, de l'avocat, et puis plein d'épices. En fait, vous mettez les épices que vous voulez, vous mettez un petit peu de mayonnaise. Si vous avez du balsamique, vous mettez du balsamique. Et voilà, et ça, je le mets au frais. Voilà la recette de la fille qui se prend pour Cyril Lignac. Non, mais n'importe quoi. N'importe nawak, hein. Voilà, comme ceci. Voilà mon entrée que vous mettez avec une petite salade, vous mettez une petite tomate en rose et allez hop, ça fait l'affaire. Vous faites une petite tomate que vous coupez. Si un jour vous voulez que je vous montrerai, vous coupez la peau de la tomate et vous en faites une rose. Voilà, sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis I love you, je vous dis
À bientôt pour peut-être une nouvelle recette, si vous le voulez. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres recettes. Bye bye. Bon appétit, bien sûr. Abonne-toi et active la cloche.